Brodeur, approche si tu veux la main noire. Et ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles. Mais si tu coupes ces cordes, Ratbag te dira tout ce que tu veux. Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts, hein? Vas-y, espèce de chac, fais-le! Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête et mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Ratbag peut t'en dire plus sur les orques. Ratbag peut faire marcher ton plan. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. D'écraser ta petite révolte, pas vrai? Je les traquerai. Ah, comment? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ratbag te montrera le chemin. Tu aides Ratbag. Ratbag t'aide. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques caragors. Viens avec moi, Rodeur! On ne peut pas se fier à ces esclaves prêts à vous frapper en traître. Au moins les Uruks attaquent de face, et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rodeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place. Quelqu'un comme Ratbag. C'est ce Goroth qui commande? Tout à l'heure, dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Ratbag pour devenir chef de guerre. Alors, prépare-toi à lui passer sur le corps. Comment tu t'es libéré, vermine? Occupez-vous du rôdeur, pas de moi! C'est le plus facile! Son épée est cassée! Fichez la paix à cette vermine, Uruk! Venez plutôt m'affronter! Tu es mort! Bien joué, Rodeur. Maintenant, imagine que tous ces corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Caragor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Caragor jouait avec Ratbag. Goroth va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Goroth garde... Caragor, dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop ce qu'il mange. Cette tour s'étend de d'hier à demain. Je continue à vivre dans ces pierres.
Et je parie que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Gorod est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. C'est juste de nous faire baisser notre garde. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Vous avez vu à quoi ressemblait cette créature étrange ? Celle qui pose dans le mirage et qui nous surveille. Au début, je croyais que c'était ce globe de rôdeur. Mais c'est un remède efficace. Ces Uruks sont vraiment le reflet déformé de mon espèce. Le boulot est parfait. La tour va vite nous mettre au fait. Les humains nous trouvent cruels. Si la tour arrive, je pourrais tuer Gorod. Ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer un petit somme. Gorod te tuera s'il te prend à roupiller. Gorod ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du Kansas. Gorod est dans le Kansas. Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Gorod. Laquelle de ces vermines est Gorod ? Gorod. Les trois carabords au même temps. Et à main nue, en plus. Ils auraient pris le coup rien qu'en les regardant. Je leur ai pris le coup. Ils avaient mes yeux. Quelqu'un rôde dans les parages. Ne m'arrête les bêtes. Quand je foule les plaines du Mordor, je repère les caragors au bruit qu'ils font pour tenter de m'échapper. Je vais te détruire ! Enchaînons ! Descends, idiot ! Oh, je m'en rappelle de celui-ci. Dégage, vermine! N'obéis qu'aux ordres de Gorod. C'est pour son cadavre puant que j'ai besoin de vous! Maniez-vous! Allez! Ferme-la un peu! Un peu de respect!
prendre de limaces. Vous, vous serez les prochains sur la liste. Ratpaillez votre capitaine maintenant. Allons jeter un coup d'œil. Allez, et quand vous aurez terminé, j'aurai d'autres corps à transporter. Retrouvez-moi au carrefour. Un vieil ami va bientôt perdre la tête. D'abord, je ressuscite grâce à un spectre, et voilà que je travaille avec un orc. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Les orques se détestent entre eux presque autant qu'ils le détestent. Cesse de bouger! C'est donc ça, le courage des hommes. Il paraît que l'ennemi est faible à gauche, et que les nains vont attaquer par là. Ensuite, on pourra peut-être s'éloigner de ces marécages puants et rentrer. Hier, l'ennemi a tenté d'engager les négociations. On a vu les hommes de l'émissaire quitter les lieux. Un être noir terrible sur un cheval noir, escorté par deux colosses, eux aussi vêtus de noir. Ils ne pouvaient pas faire partie de notre troupe. Parce qu'on les soupçonnait de vouloir espionner notre organisation pour en faire un rapport à leur maître. À la place, un petit groupe d'elfes et d'hommes sont allés le rencontrer. On n'a pas entendu ce qu'ils se sont dit, mais la paix n'arrivera pas. Les rumeurs circulent dans le camp. Il paraît que la bouche de l'émissaire a noirci et brûlé avec les mots de Sauron. Et qu'en les prononçant, l'émissaire a beaucoup souffert. Il n'a promis que l'esclavage et le labeur. Et je suis bien obligé de le croire. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on n'arrivera jamais jusqu'au Mordor. Seule la mort nous y attend. Dirael disait qu'il avait vu des fantômes dans les marais des morts. Je croyais qu'il n'avait vu que sa propre peur. Les insomniaques, les ombres, les morts. Le Mordor les appelle tous. «
l'image devient plus claire. On y voit ce qui s'est passé et ce qui se passera si on parvient à l'emporter sur la main noire. Dispersés sur les terres de Sauron, c'est tout où repoussent les ténèbres. Comme ça, voilà, bah, il suffit de demander. Hein. Dépêchons-nous, ou il perdra sa tête. C'est tentant, n'est-ce pas? Si tu crèves ses nombreux yeux, la bête ne te verra pas arriver. Ces vermines ne valent pas mieux que les dards comme toi.
moi le tuer. Garde le bourreau en vie. Notre chemin est dans son esprit. Attention ! Je te vois ! Du travail d'équipe, hein. Phil, avant que je ne change d'avis. Mais on avait un marché. Il n'y a plus de marché. Oh, comme tu veux, mais je pensais que qu'on... Bon. Attends, Rodeur. Regarde ça. Quand le chef de guerre entendra parler de ma victoire, il fera de moi son garde du corps personnel. Et en quoi ça m'aidera? Je le poignarderai par derrière. Je m'occuperai d'un des chefs de guerre pour toi. Et tu t'occuperas des quatre autres. Ensuite, on se retrouvera au camp d'entraînement. Je m'assurerai de la présence du chef de guerre dès que tu seras prêt. Qu'est-ce t'en dis? Essaie de garder la tête sur les épaules cette fois. Oui, c'était bien mon intention. Les orques. Ce ratbag nous a ouvert les portes de... hiérarchie malgré lui. Il a un don pour l'échec. Mène-nous jusqu'à lui.
maître de lumière doit nous suivre. On va vers les trésors. Aucun mort ici a détecté passage. Il se répand comme le poison. Imour était en mémoire, Slapin. Essaie de t'enfuir comme ses esclaves et je t'attraperai pas. Je te tuerai. Mon ami a l'air pressé de nous conduire au devant du danger. Des informations sur mon passé valent tous les risques. C'est un bien joli cadeau. Bien joli cadeau. Mais où se trouve le précieux? Espèce de voleur! Viens ici! Arrondeur de lumière! Relâche-le! Pourquoi court-on après ces rêves? Ils ne font que nous apporter de nouvelles questions! Ce sont bien plus que des rêves. À chacune de ces visions, mon pouvoir grandit.